Yo tout le monde, c'est Iken et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone. Il y a eu pas mal de changements qui ont été faits avec le gros patch d'équilibrage de la saison 2. Il va falloir, je pense, encore un petit peu de temps pour voir la méta se dessiner dans son ensemble, mais je suis assez sûr de moi quant à la classe que je vais vous proposer dans cette vidéo qui est ultra méta même après le patch. Donc on va parler de tout ça et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'aider et à vous abonner à la chaîne. Petit point rapide sur les patch notes, ils étaient massifs, c'est vrai que le patch était massif, mais le point important, c'est que les valeurs de TTK n'ont pas été modifiées du tout. Ça, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, tant que les TTK des armes Vanguard resteront telles quelles pour les armes de longue distance, la méta longue distance sera largement dominée toujours par les armes Cold War, avec la Bren qui va rester la seule option qui fait plus ou moins le poids face aux options Cold War. Donc, je vais vous montrer un petit peu un graphique de ce que ça donne entre l'XM4, le M2, l'AK Cold War et des armes, donc des fusils d'assaut côté Vanguard, donc l'automate, la STG et je vais rajouter la Bren. Et ce qu'on voit, c'est que à part la Bren, eh bien les deux autres options se font complètement démolir par les options Cold War. Donc il y a eu très peu de changements, il n'y a eu aucun changement au niveau du TTK, donc ce qui veut dire que ce qui était méta en saison 1 reste méta en saison 2. Et du coup, la classe que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est une classe qui est ultra polyvalente, une des meilleures classes que vous pouvez faire à la fois sur Rebirth Island ou sur Caldera. C'est le combo XM4 longue distance, MP40 courte distance. La XM4, meilleure arme du jeu actuellement à longue distance, je vous le dis depuis des mois et on commence enfin à en voir de plus en plus. Je suis convaincu que c'est la meilleure option du jeu à l'heure actuelle, meilleure que la Bren et meilleure que l'AK Cold War, même si l'AK Cold War peut être vu comme le concurrent numéro 1 de cette XM4. Donc vous avez un recul qui est très simple. L'arme est très polyvalente, elle recharge très vite, elle a un très bon TTK, d'énormes multiplicateurs dès que vous tirez dans le haut du corps, donc vraiment une des meilleures options que vous pouvez choisir à longue distance. Et pour la MP40, malgré le petit nerf de portée, elle reste très très viable avec un TTK qui est très bon si vous mettez les munitions Gorenko plus le booster de recul et de gros multiplicateurs dans le coup et en headshot. Elle n'est pas nécessairement dominante vis-à-vis des autres SMG, notamment sur Rebirth Island où je pense qu'il y a mieux côté peut-être Wellgun, voire même PPSH de Vanguard, mais elle reste dans le haut du panier. Et juste petit astérisque par rapport à la classe, là j'avais équipé les munitions incendiaires dans ce gameplay, mais je pense que maintenant les munitions à pointe creuse sont le meilleur choix. Le gameplay que vous allez voir dans cette vidéo, il a été réalisé un tout petit peu avant la saison 2, mais comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien qu'à changer, donc ça reste un combo qui est ultra méta pour la saison 2, et donc c'était réalisé lors des game subs que j'ai fait sur Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais essayer le dimanche ou le samedi, en tout cas le week-end, de faire des game subs avec les personnes qui sont abonnées à la chaîne pour en fait partager un petit peu avec la communauté. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch, et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à drop un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, et je vous laisse avec le gameplay. Là, si j'ai ma XM4 dans les mains, c'est la win. C'est annoncé alors? C'est annoncé, ouais. Tu vas aller à ton spawn, Pandise, là, le... genre là? Cette zone me plaît bien. Ouais, allez, go. Vas-y. On va en bas? Les douches. Ouais. Encore un autre en bas? Tu dis en bas, c'est où? Sur toi, Iken? Ouais. Sur moi, sur moi, sur moi. À terre. Toujours en haut, toujours en haut, toujours en haut. Ah okay. Oh non, c'est l'un derrière toi. Oh non. Une l'autre, une l'autre, une l'autre. Monte. Deux dans les douches. Nice. Oh putain, il m'a mis dedans. Oh, c'est drop, c'est drop. Le dernier, il est en bas. Genre là-bas. Il y en a encore un sur le toit, fais gaffe. Ah bon? J'ai pas vu. On peut aller acheter là en vrai. Oh, l'hélico, l'hélico, fais gaffe. Il est dans le corner, mais qu'est-ce que je fais? Un echo shot, un echo shot. Je me plaque, je me plaque. J'en ai mis un à terre, c'est lui qui était au shot. Ok, je vais essayer de le confirmer. Il y a ses potes qui étaient à terre. J'ai pas vu où il était. Attention, ça arrive là. À terre. Encore, quoi, je suis en bas.
Ouais. Une balle. Il y en a un autre. Je l'ai mis à terre. Il est cool lui. Il est presque break, là. Dans l'escalier, dans l'escalier. Putain, mais il est où notre colis, là? Tant que ça comble le manque... Il y a un mec sur le toit. Ouais. Il s'est parachuté. Il est descendu, non? Ouais, ouais. Une balle. Bon. Mais B, très énervé le garçon. Je me fais sniper En bas à droite là. Ouais. Ok. Ah y'en a un, ah mais y'en a un dans le petit. Y'en a deux là-bas. Crac. Qu'est-ce qu'ils font là mon gars? Là-bas. À terre, à terre. Vous pouvez tirer à travers. Break. Deux à terre, deux à terre. L'autre vous pouvez le mitrailler encore. Ok, infini. Nice. Oh non. Il est à terre, il est à terre. Ok, nice. Il y a un mec là. C'est rentré en haut sur la passerelle. Ah, à terre, à terre. C'est là-haut. Ils étaient là. C'est trop. Il est weak là, en glitch. Mais ta gueule si quelqu'un veut. Je vous remets pour reprendre un drone là. 5000, il y a le shop juste devant. La vie de ma mère, c'est eux. Les gars. C'est où, c'est où? Y a un mec qui nous a reconnu ou quoi? Tu peux reprendre un drone, ce machin? J'en ai un, tu veux que je le mette? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Nice, merci. Oh, mais ils sont fuis. Il est weak. Enfin, knock là. C'est crack. C'est pas bien de nous traquer, quoi. C'est pas bien de nous traquer. Ah. Ça. Ah. Viens, tais-toi. Ok, j'ai eu la team qui était là. Est-ce? Il y a des mecs à droite là qui se jouent. Où je suis? Ils jouent où? Là, dans ce bot. On déconne? Ouais. Ouais, sur le toit. À terre, à terre. Un autre qui reste, deux à terre. Prison. Ah, prison, putain. Faut passer par le bas à droite. Ok, ça court par là. C'est en bas, c'est ouvert la porte. Ouais. Il est mort. Non. C'est bon, je l'ai cassé appendice, nice. Oh, c'est dégueulasse. Bon, comment ça, dégueulasse? Non, mais bon. Je pense qu'elle oublie un petit peu ses fondamentaux. Ça prend un largage là derrière nous là. Ah, il est weak. Nice, GG. Faut en profiter pour aller bas prison. Y'a un mec qui a sauté, je crois. XT, ouais. Oh non, je suis en train de me mettre dans la sauce. Oh non. Les deux ont déjà sauté en dessous de moi. Nice, 4v2. Devant moi, il a sauté. Bye. Oh. GG, ça. GG.
J'avais dit quoi, j'ai make SM4, c'est win, c'est validé. J'avoue, j'avoue, c'était cool. C'était cool, c'est validé. Bien joué. Cette game va peut-être finir en vidéo YouTube, c'est vrai, y'a moyen. GG, un honneur, Iken. GG les gars, GG. Thank you, Iken, GG. Ça fait plaisir. On est en 2v4. On a fait ce qu'on pouvait. Ça va, 10 mon skill, ça va. Allez, bon live et merci pour tes vidéos. Vas-y les gars. Merci à toutes les gars. Vas-y, ciao ciao.